Ah, ça y est, vous êtes là? Oui, bah du coup, j'étais en train de chercher un endroit où m'installer en vous attendant. Mais maintenant que vous êtes assis confortablement, on va pouvoir commencer. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous. Vous qui venez habituellement à l'église protestante évangélique d'Antibes, vous qui faites partie de notre église sœur de la Seyne-sur-Mer, et vous qui peut-être êtes tombé sur cette vidéo par hasard. Et là où vous êtes, en famille, ou peut-être seul, on veut, pendant ce temps, tourner nos regards vers notre Dieu, le louer, l'adorer et écouter ce qu'il a à nous dire. On veut vraiment laisser toutes les préoccupations de notre quotidien et se concentrer uniquement sur lui. Et je vous propose de commencer dès maintenant. Je vais prier et on chantera le premier chant. Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous donnes pour te louer, pour t'adorer, même si on est séparés les uns des autres. Et je te remercie parce que tu vis en nous, on n'a pas besoin d'être dans un lieu particulier pour te louer. Et je te remercie parce que voilà, tu es notre Dieu, tu nous as sauvés, tu as fait de nous tes enfants. Et on veut te louer maintenant. Au nom de Jésus, amen. Je vous propose de chanter ce chant, « Je loue ton nom éternel ». Ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, de joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Alors, on le répète depuis plusieurs semaines maintenant, nous sommes contraints de vivre nos cultes séparés à cause des événements qu'on connaît. Nous sommes forcés de rester enfermés chez nous et cela est plus ou moins difficile pour chacun d'entre nous. Mais nous croyons en Dieu qui est au-dessus de toute chose. Nous croyons aussi que nous sommes unis par son Saint-Esprit et même si nous sommes séparés physiquement, le lien n'est pas rompu. Nous pouvons prier les uns pour les autres, et même devant votre écran, c'est la voix et les cœurs de son peuple que Dieu entend. C'est pour cela qu'il est primordial, dans les temps que nous vivons, qui peuvent générer parfois peut-être du doute, de garder nos yeux, nos pensées tournées vers Dieu. Et je vous propose une lecture dans le livre des psaumes. C'est le psaume 135, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 7. Et vous pourrez suivre la lecture sur votre écran. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel.
Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartînt. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Alors je voudrais relever plusieurs points dans ce psaume. Tout d'abord, la première parole de l'auteur nous invite à louer l'Éternel. Il ne commence pas par des demandes, des complaintes, mais il fixe la priorité sur la louange. Souvent, nous pouvons avoir tendance à commencer dans nos rendez-vous avec Dieu par lui parler de ce qui nous préoccupe. Pourtant, ce n'est pas l'exemple que nous avons ici. Il y a un autre psaume, c'est le psaume 92, qui commence de cette façon. Il dit « Il est bon de louer l'Éternel ». Louer Dieu, même si ce n'est pas toujours notre premier réflexe, c'est bon pour nous. Nous devons toujours garder à l'esprit que c'est un besoin spirituel que nous avons, qui ne doit pas être fait en fonction des circonstances plus ou moins favorables. Quelles qu'elles soient, nous en avons besoin. Ensuite, nous voyons qu'en louant Dieu, nous proclamons qu'il en est digne. On déclare à la fois qui il est, mais on se soumet également à lui en reconnaissant qu'il est le maître sur nos vies et que nous sommes ses serviteurs. Et pas juste le dimanche matin durant le culte, mais à chaque instant de notre vie. Enfin, Dieu est au-dessus de toutes choses, les idoles, mais aussi la nature qu'il a lui-même créée. Et nous croyons que c'est par sa toute-puissance que la pluie tombe, que le soleil brille, que le printemps succède à l'hiver, que le jour succède à la nuit. Personnellement, voilà ce que je retire de ce psaume. Il décrit un Dieu tout-puissant, créateur et souverain sur tout. Rien de ce qui se passe sur cette terre n'arrive sans qu'il donne son accord. Rien ne lui échappe. Et dans des circonstances comme celles que nous vivons actuellement, où nous pouvons avoir le sentiment que le contrôle de nos vies, de notre quotidien nous échappe, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu est au contrôle. À celui qui lui confie sa vie, il a promis de prendre soin de lui et surtout de contrôler les circonstances de sa vie. Alors, louons-le parce qu'il est tout-puissant, souverain, parce qu'il ne dort jamais et qu'il ne change pas. Et je vous propose de chanter deux chants. Et ce premier chant, Dieu incomparable. Du plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps, toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es merveilleux, Seigneur.
Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, devant ta face nous tombons à genoux et crions. Tu nous émerveilles, ô Dieu, qui a tracé la route des éclairs dans le ciel, qui a amassé la neige, la grêle et la pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil. Voilé le jour, offert la douceur de la nuit. Oh, quel mystère, Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es merveilleux, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, devant ta face nous tombons à genoux et crions. Tu es merveilleux, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, tu vois nos cœurs et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu nous émerveilles, ô Dieu. Tu nous émerveilles, ô Dieu. Tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu le grand, je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque. Toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Into
suffit à chaque instant, ouais, nous suffit pleinement. Alors, nous avons chanté que Dieu est grand, tout-puissant, qu'il a fait des choses merveilleuses. Et je vous propose de prendre un temps en famille pour échanger et de vous dire les uns et les autres pourquoi Dieu est grand et de donner des exemples de pourquoi Dieu est grand par rapport à ce qu'il a fait, de ce qu'il a créé. Si vous êtes seul, je vous invite à prendre votre téléphone et appeler quelqu'un pour échanger sur ce sujet. Les enfants, vous aussi, vous pouvez dire à vos parents les grandes choses que Dieu a créées. Je vous propose de mettre la vidéo sur pause et ensuite, après avoir échangé entre vous, de prendre un temps de prière pour remercier Dieu parce que c'est un grand Dieu et qu'il a fait des choses merveilleuses. On se retrouve tout de suite après. Maintenant, je vous propose de continuer à louer le Seigneur parce que c'est un grand Dieu en chantant un nouveau chant. Et les enfants, écoutez bien parce que ça va être à vous de jouer. Le chant s'appelle « Si j'étais un papillon » et il parle de toutes sortes d'animaux qui louent le Seigneur par ce qu'ils sont. Et pour chaque animal, il y a un geste. Donc voici les gestes pour chaque animal. Il y a le papillon, l'oiseau migrateur, le poisson, l'éléphant, c'est le plus dur. Le kangourou, le ouistiti, le ver, le caïman, et l'ours. C'est bon, vous les avez ? Et les paroles du refrain sont accompagnées de ces gestes. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. C'est bon, vous êtes prêts ? Et les adultes aussi, je veux vous voir faire les gestes, hein ? Et les ados aussi d'ailleurs, hein, Benjamin, Samuel, Juliette, Inaya, je veux vous voir faire les gestes et je veux une vidéo comme preuve que vous avez bien participé. Hein. Bon, si tout le monde est prêt, c'est parti. Je chanterai ta gloire, Seigneur.
Nous venons de prier Dieu pour ce qu'il est et pour toutes les choses merveilleuses qu'il a faites. Mais il y a une chose encore plus merveilleuse qu'il a faite pour nous. Et c'est Luc de l'église de la Seyne-sur-Mer qui va nous en parler. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça me fait extrêmement plaisir que de pouvoir être avec vous et que de pouvoir partager ce culte ensemble avec vous. Et tout d'abord, j'aimerais vous passer le bonjour de la part de toute la famille, de la part d'Estelle et de nos trois enfants, Manoah, Joachim et Nathanaël, pour vous dire que nous allons bien, nous allons même très bien. Et aussi de profiter, aussi de vous passer le bonjour de la part de l'église de la Seyne-sur-Mer. Alors on m'a proposé pour ce culte-là, de ce dimanche, d'introduire le temps de la Sainte Cène. Et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi cette semaine, et comme vous le savez, dans ce contexte de pandémie, c'est pas toujours évident d'avoir les idées au clair et de savoir finalement comment nous devons vivre aussi, nous, en tant que chrétiens, ces moments-là. Et j'ai l'impression parfois de vivre un contexte qui est parfois angoissant, parfois déroutant. Et je me suis dit que c'est un scénario quand même qui est assez, qui peut paraître assez catastrophique sur tous les points de vue. Et la question que je me suis posée, c'est: et s'il y avait un scénario encore plus sombre? Alors, je ne veux pas vous effrayer d'emblée, mais pour vous dire que je vais vous faire part d'un scénario qui est peut-être encore plus sombre, mais qui, heureusement, ne s'est pas produit. Et on pourrait résumer ce scénario par cette question-là. Et si Christ n'était pas venu mourir à la croix? Une réalité biblique qui nous est donnée dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 3 et au verset 9, et qui est une réalité. Il est écrit: « Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent et nul ne cherche Dieu. » Dans cette même lettre aux Romains, Paul écrit au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est la réalité de notre état naturel, d'une vie sans Christ. L'homme s'est lui-même distancé de Dieu en désobéissant. Et c'est là ce que nous étions tous. Et si Christ n'était pas venu à la croix, voilà ce que nous serions. Et quelle en est encore la conséquence? Nous sommes des enfants de colère. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 36, il est dit que celui qui est sans Christ ne verra pas la vie et que la colère de Dieu demeure sur lui. Ainsi, si Christ n'était pas venu mourir à la croix, nous serions privés de la gloire de Dieu. Nous serions privés de sa présence. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 1, il est précisé que nous serions morts, définitivement séparés de Dieu. Voilà la conséquence principale. Si Christ n'était pas venu mourir à la croix, le scénario serait encore plus sombre. Nous serions séparés de Dieu. Imaginons même que nous réalisons notre état et que nous disions à Dieu: je sais ce que j'ai fait, je sais que j'ai péché contre toi. Alors je te demande pardon et je veux venir jusqu'à toi. Et quand bien même cette demande, si Christ n'était pas venu à la croix, notre demande serait insuffisante
pour satisfaire à la justice de Dieu. Parce que pour payer ma faute, il fallait plus qu'une demande. Pour être débarrassé complètement, entièrement de mon péché, il fallait plus qu'une demande et qu'un pardon. Pour être vu juste et pur, sans faute, devant Dieu, il fallait plus qu'une demande, plus qu'un simple pardon. Il fallait que la justice de Dieu soit accomplie pleinement. Et sans ce plus, nous ne pourrions pas avoir cette vie éternelle. Et sans Dieu, c'est la mort éternelle. Mais heureusement, ce plus est arrivé. Et le scénario que je donnais, si Christ n'était pas venu mourir à la croix, c'est un scénario qui ne s'est jamais produit, qui n'est jamais arrivé, puisque Christ est venu sur terre. Dieu a envoyé son Fils unique sur terre, pour nous, pour accomplir sa justice pleinement. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le message de l'Évangile. C'est que ce scénario n'a pas eu lieu. Christ est venu et a réalisé en lui-même toute la justice de Dieu, en donnant sa vie à ma place. Il accomplit parfaitement ce que j'aurais été incapable de faire, ou de manière tellement imparfaite, tellement incomplète. Pourquoi ? Parce que sa vie, la vie de Jésus, était parfaite, sans faute, sans péché. Et donc son sacrifice était parfait, complet, suffisant. Dieu a ressuscité Jésus 3 jours plus tard, pour ainsi prouver au monde entier que ce qui s'est réalisé est vrai. Conséquence, celui qui croit à la vie éternelle, il est gratuitement justifié, il est délivré du pouvoir des ténèbres pour être transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, comme il est écrit dans la lettre de Paul aux Colossiens au chapitre 2. Et la colère de Dieu a été détournée, non plus, elle n'est plus sur nous, mais elle a été détournée sur Christ. Christ a pris ma place en tout point. Voilà ce que signifie la croix. Voilà ce que signifie la venue de Jésus sur terre, quand il est venu à la croix. Et au moment où nous allons pouvoir partager ensemble, même de façon séparément, le pain et le vin, nous voulons nous souvenir du symbole de ce que Jésus a lui-même institué en parlant du pain et du vin. Et je vais vous faire la lecture de la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11 et à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Voilà la parole de Dieu. Alors nous voulons prendre vraiment ces éléments en réalisant que ce scénario terrible n'a pas eu lieu. Christ est réellement venu donner sa vie pour nous, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père, pour que la justice soit pleinement accomplie. Et c'est la plus grande nouvelle, c'est la belle nouvelle que Dieu nous a fait. Alors je vais maintenant vous proposer de prendre un temps, suite à tout ce qui a été dit, un temps pour prier, un temps pour remercier Dieu
que ce scénario n'ait pas eu lieu, d'être dans la reconnaissance, d'être dans l'adoration, d'être dans la contemplation de cette œuvre magnifique à la croix, de réaliser que Christ est ressuscité et que nous prions, nous louons, nous chantons un Dieu vivant pour l'éternité. Alors prenez ce temps, avec le pain et le vin que vous avez devant vous, pour prendre les choses en conséquence. Voilà, suite à ce moment que vous avez passé, peut-être seul, peut-être en famille, à réfléchir, à méditer sur ce que le pain et le vin symbolisent réellement selon la Bible, peut-être un temps où vous avez prié, un temps où vous avez pu remercier Dieu, remercier Jésus pour ce qu'il a fait, est-ce que cela a changé dans vos vies? Je vous propose un chant qui a été écrit par le groupe Impact, qui s'appelle « Puissante est la croix » et qui nous rappelle que l'emprise du péché a été écrasée par Jésus, que l'empreinte du péché a été effacée par Jésus à la croix, que son sang nous a libérés. Puissante est la croix. Merci Luc pour ce que tu nous as apporté de la part de notre Dieu. Et maintenant, j'aimerais partager avec vous une réflexion autour d'un verset. Ce verset, il se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, et c'est le verset 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin.
Ce verset, c'est sans doute l'un des plus connus de cet épître. Et c'est vrai que ça rassure de savoir qu'on a un Dieu qui veut nous donner des circonstances favorables à notre bien. Cependant, ces derniers mois, le Seigneur m'a interpellé sur le sens de ce bien que Dieu veut pour nous. Tout d'abord, il est important de noter dans quel contexte apparaît ce verset. Dans tout le début du chapitre, Paul rappelle un certain nombre de points. Jésus nous a justifiés à la croix. On est désormais dépendant de l'Esprit Saint et non plus de notre propre nature. C'est cet Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu, qui nous transforme et qui nous pousse à vivre à l'image de Jésus-Christ et qui nous pousse à aimer Dieu. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu et poussé par l'Esprit, nous attendons avec impatience que toute la création soit libérée de la puissance du péché et d'enfin rencontrer Dieu en face à face dans toute sa gloire. L'enfant de Dieu prie dans ce sens, et quand il n'y arrive pas, c'est l'Esprit Saint qui le fait pour lui par des soupirs inexprimables. Alors, j'imagine que c'est clair comme de l'eau de roche pour chacune de nos vies. Plus sérieusement, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est loin d'être évident. En lisant ce passage et des commentaires à ce sujet, je me suis rendu compte de mon attachement à certaines choses de cette terre. C'est vrai que quand je fixe mon attention sur la souffrance de ce monde, sur les horreurs qui y sont commises, ou dans les moments de grande détresse, j'aspire profondément au retour de Jésus-Christ pour que tout cela cesse. Mais quand tout va bien, est-ce que cette aspiration est aussi forte ? Et puis, parfois, je réfléchis de façon un peu égocentrique, centrée sur moi-même. J'aimerais voir grandir ma fille, j'aimerais la voir donner sa vie à Christ, j'aimerais devenir grand-père, j'aimerais faire d'autres expériences, vivre d'autres choses sur cette terre. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné son Saint-Esprit qui m'interpelle à ce sujet et qui prie pour moi dans le sens de Dieu. Je pense que si nous pouvons penser comme ça, justement, c'est principalement à cause de notre confort de vie. En Occident, on bénéficie de richesses que finalement peu de gens ont sur cette terre, et surtout d'une liberté de culte comme il en existe peu. On ne connaît pas vraiment la persécution. Or, si vous avez l'habitude de lire la lettre hebdomadaire de Portes Ouvertes, vous avez sans doute à maintes reprises lu des témoignages des souffrances terribles au travers desquelles des chrétiens du monde entier passent à cause de leur foi. Ces chrétiens attendent sans doute bien plus que moi cette délivrance. Alors, comment mieux comprendre ce passage et surtout le vivre au plus profond de notre cœur ? C'est là qu'intervient le verset 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Dans ce verset, on peut voir plusieurs choses. Je commencerai par la fin du verset qui nous apprend que Dieu a un plan parfait pour ses enfants. Notre vie n'est pas dirigée par les circonstances, mais Dieu a prévu quelque chose à l'arrivée. Ce ne sont pas les circonstances de la vie qui comptent, même si Dieu n'est pas insensible ou inintéressé par nos vies au quotidien et par les problématiques qui en découlent. Mais ce qui compte, c'est le but que Dieu s'est fixé pour nous. Ceux qui sont appelés à entrer dans ce plan divin sont ceux qui ont été justifiés par le sacrifice de Jésus à la croix. Ensuite, il veut notre bien. Et ce bien est directement lié à son plan divin. Alors, quel est donc ce bien qui ferait que les circonstances nous amèneraient à entrer dans le plan de Dieu ? Les deux versets suivants nous éclairent sur cette question.
En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Voilà le projet de Dieu pour nos vies. Voilà ce qu'il a prévu bien avant la fondation du monde. C'est que nous devenions conforme à l'image de son Fils. Quand je regarde à moi-même, je me dis qu'il y a du travail, voire même que c'est impossible. Être à l'image de la perfection de Jésus, de son amour, de sa bienveillance, de sa sagesse. Mais ce serait sans compter ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a rendus justes devant Dieu par son sacrifice à la croix et c'est par son esprit que nous vivons. C'est lui qui nous transforme, qui nous fait marcher sur le chemin de la sanctification, c'est-à-dire le chemin qui nous fait avancer vers une vie toujours plus saine. Paul a toute confiance dans les capacités de Dieu à nous faire ressembler à Jésus. Et si c'est là l'aboutissement de son plan divin, eh bien Dieu contrôle également les circonstances pour y arriver. Et nous devons être confiants sur sa capacité à atteindre ce but dans nos vies. Dieu nous a appelés. C'est lui qui est à l'origine de ce projet et qui en contrôle tous les aspects. Par notre justification, il rend ce projet possible afin de nous conduire à la gloire. Jésus-Christ est déjà dans sa gloire et nous le sommes déjà aussi. Même si nous attendons encore de voir notre Créateur de nos propres yeux. Voilà le bien que Dieu veut pour nous, nous transformer pour que nous soyons à l'image de Jésus. Alors, voici quelques questions que je vous invite à vous poser, et je me les pose moi-même en toute humilité devant Dieu. Dans ces temps d'épidémie que nous vivons, où notre monde perd tous ses repères, dans ces temps où nous pouvons craindre pour notre avenir économique, pour notre santé et parfois même pour notre vie, dans ces temps où nous pouvons avoir une grande inquiétude pour nos proches, dans ces temps où peut-être le doute peut s'immiscer dans notre esprit, est-ce que vous priez pour que Dieu vous réconforte et vous protège avec un bien qui concerne le matériel, la santé ou le bonheur ? Ou croyez-vous avec assurance que le plus grand bien que Dieu peut vous donner est de ressembler à son Fils Jésus-Christ ? Est-ce que la plus grande aspiration de votre vie est le retour de Jésus-Christ, la délivrance de la création ? Est-ce que vous priez dans ce sens ? Est-ce que vous croyez que les circonstances ne sont pas défavorables, mais qu'au contraire, elles vous amèneront à cela ? Car notre Dieu est souverain et parce que c'est lui qui est au contrôle. On a parlé au début de ce culte de garder nos regards et nos pensées tournés vers Dieu. Et je vous invite durant cette journée, de façon peut-être un peu plus individuelle, à vous placer devant Dieu et de lui demander de faire cela une réalité dans votre vie et au plus profond de votre cœur. Alors, si ce que je viens de partager est difficile pour vous, je vous invite à faire cette demande à Dieu. Que ressembler à Jésus soit votre préoccupation première. Dites-lui, je veux de tout mon cœur entrer dans ton plan divin. Et je veux vivre ce précieux bien que tu veux pour moi. Rends-moi ferme dans la foi face aux circonstances de la vie, pour continuer à croire fermement que tu réalises ton plan dans ma vie. Si c'est déjà une réalité pour vous, eh bien, continuez à prier pour que Jésus revienne. Priez également pour vos frères et sœurs qui sont peut-être plus chancelants. Je vais prier, puis nous chanterons un dernier chant,
te ressembler, Jésus. Seigneur, je veux vraiment te louer, te remercier, parce que tu as un plan pour nos vies, un plan parfait qui a été prévu de toute éternité. Et ce plan, c'est que nous ressemblions à Jésus-Christ, l'exemple parfait. Et ce plan, il n'y a aucune circonstance qui peut se mettre dans le chemin de ce plan divin. Et tu veux faire concourir toutes les circonstances à ce bien qui est de ressembler à Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous d'avoir une foi ferme dans cela, donne-nous d'avoir cette assurance que tu es en contrôle de toutes choses et que c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver dans nos vies et que dans nos prières, dans la façon dont nous gérons notre quotidien, notre aspiration soit que tu reviennes et que tu règnes. Que notre aspiration soit de te rencontrer en face à face. Et Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne. Merci pour ta parole qui est vivante. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus, amen. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Alors c'est la fin de ce temps passé ensemble, bien que séparés. Je vous rappelle nos deux rendez-vous numériques de la semaine, un encouragement pastoral le mardi soir et une méditation le jeudi soir. Et avant de vous laisser avec un dernier verset, je voudrais vous laisser un petit défi pour la semaine. Faites une liste et sur cette liste, vous inscrivez le nom de 3 personnes que vous allez appeler cette semaine. Prenez des nouvelles et priez ensemble avec ces 3 personnes. Faisons vivre l'unité de l'esprit et la communion fraternelle cette semaine encore, même si nous sommes distants les uns des autres. Et je vous laisse avec ce verset qui est dans Colossiens 3, versets 15 et 16. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis.